Ne retourne pas maintenant. Mais je t'assure que la petite fille qui nous suit, c'est pour nous. Elle est merveilleuse. Mais regarde, il me semble qu'elle même est suivie. Je n'aime pas du tout l'aspect de cet homme. Reste ici et surveille-le bien. Cette jeune femme est peut-être en danger. Et alors, qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi suivais-tu la petite? Moi, j'ai pas suivi la petite. C'est la petite qui suivit toi, il s'y dit la cheval. Il faut que tu viennes. Toi seul peux nous sauver. Oui. Ah. Et c'est pour ça que tu m'as suivi. Oui. Et ce vieux, pourquoi suivait-il? Et pour savoir s'il a le courage de parler à Sidi la cheval, pour être sûr, qu'on la suivait pas. Mais qu'est-ce que vous espérez de moi? Oh, monseigneur, mon père et ses deux frères ont été enlevés. Mais je ne peux pas vous parler ici. Venez à la maison. Chez nous, il y a du bon vin. C'est le derviche du marché aux huiles qui m'a dit que ni le roi ni le calife de Caïfa ne pouvaient nous sauver. Il n'y a que toi, seigneur Thibault, et tu seras richement récompensé. Tu auras ce que mon père a de plus cher. Et si vous me disiez plus clairement ce qui vous préoccupe? Si tu traînes de trop pour nous le dire, on sera trop sous pour l'entendre. Voici. Mon père et ses deux frères avaient vendu 10 barils de vin de Chypre au baron Houdin. Ils ont livré le vin, mais le baron les a attaqués en leur tendant une embuscade. C'est étrange. Et le baron a demandé une rançon de 10 000 besans. Nous avons payé, mais au lieu de nous rendre mon père et ses deux frères, il a demandé 10 000 besans de plus. Que peut-il en faire de tout cet argent? Sa seigneurie a très soif. Mais monseigneur, nous n'avons pas les 10 000 besans. Ma mère et ses deux sœurs ont vendu leurs bijoux et la maison pour 5 000. 10 000, nous ne les aurons jamais. Et vous me demandez de persuader le baron de... d'accepter seulement 5 000 besans au lieu de 10 000. Oh, monseigneur, je vous en supplie, faites-le, et je serai votre esclave. Et tu seras la mienne aussi. Allez, viens. Remettez-moi les 5 000 besans. Je verrai ce que je peux faire pour vous. Introduisez! Mes seigneurs, je me vaux l'extrême honneur de votre visite. Et nous avons entendu dire que 3 honorables marchands... Honorables? Où avez-vous pêché ça? Des ruffians, oui, des voleurs à la petite chaussette. Ils m'ont extorqué 1 000 besans pour 10 barriques de vin plus aigre que vinaigre. Et nous avons donné un banquet. 100 invités se sont tordus le ventre gourd, courant à la colique comme chien-lit en carême. Et vous dites 3 honorables marchands? Mais le diable lui-même n'en voudrait pas pour torchette. Et comment se fait-il que 2 nobles chevaliers comme vous se trouvent à venir me parler de ces pisses misères? Êtes-vous sûr que ces marchands savaient que leur vin s'était aigri? Aurais-je mal entendu? Vous ne prenez pas leur défense tout de même? Non. Non, j'ai apporté les 10 000 besans... que vous aviez exigé comme rançon. Mais en y réfléchissant, je ne crois pas que cela vaille plus de 5 000. Ah non! J'ai dit 10 000, c'est 10 000. Mais ils ont déjà payé 10 000 besans et vous n'avez pas tenu votre parole de les libérer. En plus qu'ils ne l'ont tenu pour le vin de Chypre. 5 000 besans ou rien.
Alors, rien. Mais qu'avant de partir, au moins, vous admiriez ces jolies danseuses qui me ravissent l'âme et le cœur et me font oublier la vile nid de ces marchands de vin. Mais alors, il ne nous rendra donc jamais mon père et mes deux oncles? Ma pauvre petite, dire qu'autrefois, quand j'étais orfèvre, j'ai eu tant de richesses dans mes mains. Tu étais orfèvre, toi? Eh oui, monseigneur. Et même l'un des plus réputés du pays. Et puis, je me suis brûlé les mains. Et depuis, je suis plus bon à rien. Tu viens de me donner une idée. Nous allons décider le baron à les relâcher sans bourse déliée. Mais de toute façon, il faudra d'abord avancer les 10 000 pesants. 5 000 pesants? Mais que veux-tu en faire? Construire une église? Lever une armée? Non, frère Jean. C'est pour payer le prix de la liberté de 3 marchands de vin. 5 000 pesants pour 3 marchands de vin? Thibault, le commerce ne te vaut rien. Parle-moi de 5 marchands pour 3 000 besoins. Hélas, frère Jean, le baron a décidé de construire 4 églises. Ah. Le montant total de la rançon atteint 20 000 besoins. 20 000? J'ai peur. Non, que... ne vous inquiétez pas, frère Jean. Je vais me servir de l'argent pour obtenir qu'il les libère. Et croyez que je compte bien le récupérer par la suite. Si tu peux jouer un tour à ce misérable, je te prête tout ce que tu désires. Et quel est ton plan? Écoutez. Écoutez-moi bien. Toi, Blanchot, tu vas aller. Introduisez. Salut à toi. Oh, puits de justice. As-tu la rançon, bavard? Oui, monseigneur. Oh, bon. Par la touffe de Bacchus, j'avais 20 000 fois raison de demander cet argent. Et puisqu'il l'avait, j'aurais même pu exiger davantage. Oh non, monseigneur. Car cette fois, vous avez engagé nos paroles de chevalier. Je vous annonce qu'en échange des 3 marchands bien nourris que vous mènerez à la fontaine de Zaver-Cumsir, nous vous baillerons sans autre forme de procès les 10 000 besans. Et pourquoi cette lointaine fontaine? Mon palais n'est-il pas mieux indiqué? Je ne fais que rapporter, monseigneur. La rançon sera ainsi payée, et point d'autre façon. Devant la fontaine, à la lune levante, avec les 3 marchands. Eh bien, je cède. Je commençais à être gourd, les nuits sont fraîches. Avez-vous amené les marchands? Quoi? Ce ne sont pas des marchands. Ce sont des voleurs. Moi, quand je songe à ces 10 barils de vin aigre, par Belzébuth le cornu, je sais ce qui me retient de vous en faire 6 avec ces 3-là. Mais pitié, monseigneur, si elle n'était pas notre faute... Silence! Que j'entende le bruit de ces pièces. Quelle musique!
Que je l'aime. 5 000 pesants. Écoutez ceci, mes amis. Ding. Il est temps de partir, Baron. Bonne nuit. Au revoir. Nous reverrons-nous. Oh non, oh non, surtout pas ça. Oh, chevalier. Alors, ne perdez pas de temps, remerciement. Il faut vite repartir. Il nous a ruinés. Oh, mais grâce à Dieu, nous n'avons pas été vendus comme esclaves. Grâce à Dieu. Allons, partez, il n'y a pas une minute à perdre. Sadik et Myriam sont impatients de vous revoir. Oh, oh, mais vous ne venez pas avec nous? Il nous reste encore quelques petites choses à voir. Mais qu'est-ce que vous allez voir par une niche si noire? Un certain baron de notre connaissance a encore besoin de nos attentions. Et pour l'instant, fiche-toi avec notre argent. Oui, sans doute. Ouais. Il va apprendre à ses dépens qu'un argent mal acquis fait rarement de profit. Allez, viens, Bancho. Nous avons un rendez-vous important. Monseigneur, il y a là un vieil orfèvre qui a ciselé la couronne de Haroun al-Rachid. Il apparaît-il un joyau que vous seul êtes digne de porter. Introduisez. Oh, puissant seigneur! Qu'Allah bénisse les fruits de ton jardin jusqu'à l'extension du soleil. Allah aurait mieux fait de bénir mes litonneaux de vin. Il aurait été moins aigre. Le bruit court en ville que tu as acquis une grande fortune. Et qui a pu te dire cela? Mes voisins, les 3 marchands de vin dont tu as tiré 20 000 besans. Et par ma foi, j'en suis fier. Comme veux-tu? Te montrer ceci. Toi seul en es digne. Il s'appelle le soleil du désert. C'est le plus gros diamant de l'Arabie. Oh, voyons ça. Oh. Oh. Dansez. Dansez. Allons. Que c'est beau. Allez danser encore. Oh, je vous y vois danser, tourner en 1000 couleurs et 10 000 facettes. Il ne te coûtera que 10 000 besans, monseigneur. Viens. Prends ceci. En attendant que mon orfèvre à moi me dise si ce diamant est véritable. Car je me méfie. J'ai déjà été roulé honteusement. Ah non, Sidi Baron. C'est pas de l'or, ça. Ce sont des pièces bien imitées, mais c'est pas de l'or. Moi, je n'en veux pas. Non, ça va, ça va. Allez, rendez-moi mon diamant. Quoi? Tu dis que c'est or? Mais qui a parlé d'or? C'est du fer trempé dans du cuivre. Oh, à moi! Oh. Il faut brûler vive tous ces chacals! Toi et tes frères, couleur de boudin! Misérable, enrobé de couverture, voleur, double voleur! Je vous les ferai avaler vos 20 000 besans! Faux, archi faux, plus faux qu'un argent dedans. Ah, ah, pan
trottaison, pourriture et corruption. Mais je veux faire de la brochette avec vos longues torves. Ah, pitié, pitié pour moi et ma race, ne nous extermine pas. Exterminer. Exterminer, voilà le mot. Je veux 10 hommes avec de la résine et des torches. Et nous allons retrouver ces marchands et nous en ferons du caramel. Prêtresse, je vais faire de vous des veuves et des orphelines. Je veux brûler tout ce qui adore Mohamed. Et apportez-moi les 20 000 besans. Je veux les leur faire manger. Écartez-vous! Laissez passer la justice! Oh, grand noble prince! Qu'est-ce que vous avez? Les marins s'est abattu sur nous. Nous avons fait tout le chemin depuis Mossoul avec un très précieux chargement. Et voilà que notre chameau va mourir. Et que transportez-vous? Et voyez, des joyaux, des épices, des étoffes. Ah, malheur! Qu'allons-nous maintenant devenir? Nous ne pouvons plus continuer notre voyage. Et pour combien de marchandises avez-vous là? Nous en transportons pour 100 000 besans, seigneur. Et si je vous offrais 20 000 besans pour tout le chargement? Oh, ayez pitié de nous, noble prince. Nous avons rassemblé toutes nos économies jusqu'à la dernière pièce de cuivre pour les acheter. J'ai dit 20 000. Vous n'avez qu'à tuer vos acolytes. Ainsi, votre part sera entière. $90 000 besoins. 20 000. Non, alors voilà, il m'a donné 20 000 besans. C'est jamais tant ri de ma vie. 20 000 besans. Transportez tout ça dans ma demeure. Et amenez chameau aux écuries, emmenez ça, et dites à mon échanson de percer quelques futailles pour célébrer cette belle affaire. 100 000 besans de marchandises et un chameau pour 20 000 besans faux. Plus faux qu'hostie de plat. Il est bien vrai que la ruse est plus profitable que la violence. Je ferai brûler 100 cierges au patron des marchands. C'est cela. Là, vous venez à notre maison, on vous prépare un festin digne de vous et de votre amour. C'est ça. Oh, allez, c'est parti, c'est parti. Ainsi, mon cher gendre, Myriam est à toi. Une bonne nouvelle. Quoi? Elle s'est promise à vous si vous me libériez. Enfin, elle est trop jeune.
Et pourtant, mon cher, ma mère s'est mariée avec mon père à l'âge de 8 ans. Mais je t'attendrai. Et dans quelques années, tu m'épouseras. Et je serai une bonne épouse. Chevalier, c'est le seul moyen qu'un pauvre homme comme moi ait de remercier un chevalier tel que vous, qui nous a sauvé la vie à tous. Non, je ne serai me marier sans que le roi y ait consenti. Je vous offre l'hospitalité et vous osez offenser ma maison. Vous croyez qu'un autre homme voudra sa vie après avoir su que vous l'avez refusée? Acceptez-moi, chevalier. Je vous aime tant. Eh bien, prenez-la comme votre servante. Excellente idée! Oui, vous êtes très bien. Non, chers amis, je suis désolé. Ce n'est pas possible. Chevalier, si vous refusez la feuille, vous refuserez pas du vin? Oh non! Nous ne refusons jamais du vin! Non, je t'offre 10 barils de mon meilleur cru. Très bien, très bien, très bien. Tu lui en donnes 10. Je m'en doutais. Oh, quelle merveilleuse couleur. À nos trois marchands. C'est du vinaigre. Aux pommes de voleurs! Au baron! Au baron!